Good morgen, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le Nishmat, Avram Mordechai, Ben Israël, Bafani David, Ben Fortuna, Mazal Ritnet, Vorobat Esther, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle, et nous étudions aujourd'hui Maseret Ktuvot, Perek Yud Gimel, Mishnah Yud Alef, la dernière Mishnah de la Maseret, Bezrat Hashem, Akol Ma'alin le Eretz Israël, Ben Akol Motsi'in, Akol Ma'alin le Roshanaim, Ben Akol Motsi'in, Echad Ha'anashim, Ve Echad Anashim. Nasa Isha Beretz Israël, il y en a qui disent aussi Echad Avadim, c'est juste aussi. Nasa Isha Beretz Israël, Vegeresha Beretz Israël. Nonten la Mimaot, Eretz Israël, Nasa Isha Beretz Kaputkaya. Beretz Israël, Vegeresha Bekaputkaya. Nonten la Mimaot, Eretz Israël, Nasa Isha Bekaputkaya, Vegeresha Beretz Israël, Nonten la Mimaot, Eretz Israël. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Nonten la Mimaot Kaputkaya. Nasa Isha Bekaputkaya, Vegeresha Bekaputkaya, Nonten la Mimaot Kaputkaya. Et on a deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, Akol Ma'alin Eretz Israël, Ben Akol Ma'al Motsi'in. Tous font monter, imposent de monter en Israël, Ben Akol Motsi'in, et personne ne peut imposer de redescendre. Personne ne peut se faire imposer de redescendre. Akol Ma'alin Yerushalayim, Ben Akol Motsi'in, même principe avec Yerushalayim cette fois-ci. Tous peuvent imposer de monter à Jérusalem, mais personne ne peut se faire imposer de redescendre de Jérusalem. Echad Anashim, Vechad Anashim, Vechad Avadim, aussi il y en a qui disent qu'il faut le dire, qu'il s'agisse des hommes comme des femmes, comme des esclaves. Soit, on est dans le même principe de la Mishnah précédente, à savoir, quand est-ce qu'une femme a le devoir de suivre son mari, ou le mari même de suivre sa femme, en l'occurrence c'est ce qu'on va voir tout de suite, on avait appris plusieurs règles que la femme en général doit suivre le mari pour une... pour à peu près une équivalence, pour habiter dans un endroit équivalent à ce qu'elle était, plus ou moins dans la même région, le même mode de vie, le même style de maison, pas plus grand, pas plus petit, ça dépend de Marloquette, tout ça, ce qu'on avait vu. À présent, on s'intéresse à savoir que, à préciser maintenant que, s'il s'agit de monter en terrain d'Israël, la femme a le devoir de suivre son mari. Et le mari a le devoir de suivre la femme, parce que, comme ça, la Mishnah nous dit, « Akol ma'alin eretz Israël », tous ont l'obligation de monter en Israël. Qu'il s'agisse des femmes, des hommes comme des femmes. Et que, c'est-à-dire, tous ont le devoir, tous peuvent se faire imposer de venir en Israël, ça veut dire que si jamais il y a un mari qui veut monter en Israël, sa femme ne veut pas le suivre, il lui donne son guet sans lui donner sa ketouba. Si la femme a envie de faire ça, elle est en Israël, et que le mari ne veut pas, aussi, même principe, et d'accord. Il m'omère la lot, il m'omère shelo la lot, t'etse ve l'oktouba, il m'omère... La alot vehu omer la shalom la alot yotsi veten ktuba, d'accord? C'est dans le bâton noir. Dans tous les cas, on a tout celui qui veut monter, on lui donne l'avantage et l'autre il est obligé de le suivre. J'imagine qu'il ne s'agit pas de rêver, quoi. Que ce soit concret, qu'elle a envie de monter maintenant, qu'elle a tous les plans pour que monter et réussir, eh bien, elle a le devoir de la suivre et sinon, il doit lui donner la ktuba s'il ne veut pas la suivre. D'accord? C'est la lacha, ne me demandez pas concrètement est-ce que c'est retenu si vous voulez, dans le Even Haizer. Donc c'est son Shulchan Aruch Even Haizer, dans le Siman, j'imagine, Ayin He, quelque chose comme ça. Et Toshan Aruch, Sham Samer Gimel, oh c'est ça, Ayin He, Siman Ayin He, Seif Aleph Bet Gimel, lisez, étudiez, et vous verrez ce qu'il faut faire concrètement. J'impose, je vous conseille à personne de rentrer dans des situations pareilles avec sa femme, c'est assez compliqué, mais en tout cas, voilà, il faut savoir que ça existe. D'accord? Même principe aussi avec Yerushalayim. Ils habitent à Natania, Ashdod, et il y en a un des deux qui vont vivre à Jérusalem, ils ont la possibilité, ils ont les moyens, ils ont tout pour le faire. L'autre, il a malgré tout sa petite vie tranquille, il préfère rester là où il est. L'un impose à l'autre, l'un impose à sa femme, le mari l'impose à sa femme, la femme impose à son mari s'ils veulent, et l'autre est obligé de le suivre, d'accord? J'entre parenthèse, écoutez, on a pris une histoire extraordinaire sur ça, quoi. Une femme qui est la mère d'un ami qui est décédé récemment, qui habitait à Tveria. Et lorsqu'elle elle habite à Tveria, son mari était un roche collé à Tveria. C'est pour l'histoire, on est à la fin de la Maseret, donc je peux une petite histoire, d'accord? Et son mari était roche collé à Tveria. Et un soir, son fils, un de ses enfants, il rentre à la maison, il lui dit: où t'étais? Je joue avec le copain Emin et Arvit. Et il lui dit: j'ai oublié de faire Arvit. La mère, elle a eu une angoisse. Elle s'est dit: voilà, apparemment, ça faisait assez longtemps qu'elle remarquait que les fréquentations, c'était pas exactement ça. Son mari, il est rentré du collège le soir, il lui dit: écoute-moi bien,
demain on part à Yerushalayim, on va vivre à Yerushalayim. Et lui, alors lui, il a dit, mais j'ai tout ici. Et ils sont arrivés à une entente que finalement, en très peu de temps, ils sont venus à Jérusalem. Et lui, il partait le dimanche matin, il restait là-bas toute la semaine jusqu'au jeudi, il a donné ses shiurim au kollel, et puis après, il revenait passer le Shabbat avec eux. Très peu de temps après, d'ailleurs, le pauvre, il est décédé pour une autre raison, sans aucun rapport. Du coup, elle était très bien contente d'être restée à Yerushalayim avec, grâce à ça, elle a eu des enfants, mamash, 12 enfants, talmid et chachamim, tous des familles extraordinaires. Enfin, ça c'était pour l'histoire, pour l'anecdote. Et situation pareille, par exemple, on a une femme maintenant qui demande à monter à Jérusalem. Le mari, il a l'obligation de la suivre selon la halakha. Et si elle veut partir, lui veut rester, il est obligé de donner la couvre. D'accord? C'est parce qu'il s'est passé là-bas, bon, prochain, finalement, voilà. Et même mieux que ça, même un esclave. C'est-à-dire que ça, là, on parle d'un cas assez original, que on parle qu'en fait, il y a un esclave, par exemple, il était esclave en Khotsalaret, il s'est enfui pour venir en Israël. Grand sadique, cet esclave. Il arrive en Israël, il a dit, ouais, moi, je sens que je veux la Kdoucha d'Israël. Il arrive en Israël, le maître ne peut pas aller le chercher pour le ramener. Il revient le voir, et lui il dit, si vous voulez, moi, je reste un esclave ici. Sinon, vends-moi ici, et je serai un esclave chez quelqu'un d'autre. On n'a pas parlé que je vais te voler. Moi, tu me vends ici. Et même un évêque ivri, et même un évêque knan, si je me trompe pas, si c'était précisé aussi, que moi, je reste en Israël, je reste à Yerushalayim. Tu me vends, trouve-moi un autre acheteur, il donnera l'argent, et tu iras acheter un autre esclave ailleurs qui veut rester en Israël. D'accord? On parle maintenant d'un autre sujet, c'est Nasa Isha. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, c'est selon quelle monnaie payer. Alors, ça, c'est compliqué à comprendre, parce qu'en fait, c'est-à-dire, il y a encore pas très longtemps, hein, c'est encore fréquent dans les pays arabes, j'imagine, vous savez, on a tous le dinar marocain, un dinar tunisien, un dinar syrien, un dinar. Ça s'appelle tous le dinar. C'est un peu l'idée qui se passait, c'est qu'en fait, le mari s'est engagé à payer dans la Ktouba 1000 dollars. Maintenant, si tu vois un dollar, ben, si tu es en Amérique, un dollar, ça prend. C'est un dollar américain. Si tu es au Canada, c'est un dollar canadien. Si tu es en Australie, c'est un dollar australien. Et la même chose aussi avec le dinar. Même principe aussi. Maintenant, c'est pas précisé en Aktuva. Et la question, elle est que maintenant, on sait qu'eux, ils se sont mariés dans un certain pays. Après, quand ils divorcent, ils sont dans un autre pays. Il a écrit une certaine somme. Il lui donne selon quelle somme. Le plus fort, le plus faible, là où il se trouve, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur ça, on a la Mishnah, on va traduire, après on prend de l'ordre, et une marloquette en réalité. C'est une marloquette en fait qui touche à une autre que la profondeur de la marloquette en fait. C'est savoir ce que le devoir d'écrire une ktouva à une femme, c'est de donner la ktouva à sa femme. C'est un engagement, minatora ou midarabanan. Si c'est minatora, comme tout ce qui est safek de la Torah, tu vas selon le plus rigoureux. Et si c'est midarabanan, alors tu vas selon le plus permissif, et donc en l'occurrence, c'est ce qui va se passer. Nasa Isha Beret Israël, il a marié une femme en Eretz Israël. Vegersha Beret Israël, et après il a divorcé en Israël. Alors, noten la mimot Israël, bien sûr, lui donnera selon ce qu'il s'est engagé à payer avec le shekel israélien. Par contre, Nasa Isha Be'eretz Israël, il s'est marié avec la femme en Israël, puis finalement, on sait, ça fait déjà, ils sont mariés il y a 20 ans, ils ont vécu 10 ans en Israël, puis après, Vegersha Be'kapot Kaya. Il a divorcé, on sent Kapot Kaya. Alors, c'est quoi Kapot Kaya? Il nous dit le Barthénois, c'est Damat. Kaftor, dans la Torah, Kaftora, Lucine Kaftor, des psukim dans le début de Bereshit là-bas, eh bien, ce sont là-bas des pièces qui coûtent plus cher. Alors que c'est comme le principe, le shekel de Kaput Kaya, il est plus, pèse plus, il a une plus grande valeur. Eh bien, il faudra, alors Notana Mimot Israël, il lui donnera avec selon le cours de la pièce d'Israël. Il n'aura pas besoin de lui donner des pièces de Kaput Kaya. Et inversement, Nasa Isha avec Kaput Kaya, il s'est marié avec une femme en Kaput Kaya. Vegersha ber Israël, et après, quand ils sont venus en Israël, et la divorce, eh bien il devra noter la mimote Israël, il lui donnera selon les pièces d'Israël, donc toujours selon le plus cool, le plus facile. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit non, noter la mimote Kaput Kaya, dans toutes ces situations-là, il devra toujours lui donner Kaput Kaya, sauf s'il a marié en Israël et qu'il reste en Israël, bien sûr, mais parce qu'on va toujours la Khumra. Parce qu'en fait, on suppose, on ne sait pas, quand il s'est engagé à payer, il s'est engagé à payer. Selon ce qu'il faudra payer alors à la finalité, ou ce qu'il faudra payer depuis ce qu'ils s'engagent à payer tout de suite. Et maintenant, la Mishnah conclut en me disant, par contre, Nasaïcha Bekaputkaya, Begersham Bekaputkaya, si c'est marié avec une femme en Kaputkaya, il a divorce là-bas, alors bien évidemment, en Otenla, Mimaot Kaputkaya, il devra lui donner pièce de Kaputkaya. Et Salik Maserhet Tuvot, Adranalach Maserhet Tuvot,
Adranalach, Masad Kudot, Adranalach, Masad Kudot, Belin et Der. Et on a la chance, Bezrat Hashem, de voir un petit Les Chaim ensemble. Pour avoir fini, j'ai pas compté combien de matières étant donné, mais ça fait vraiment un très très beau morceau. On a fait un bon tronçon là du chasse entier. Donc on se voit un petit Les Chaim et on commence Bezrat Hashem, prochain Shiur, on commence Nedarim ensemble. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Bor Pri HaGefen. Les Chaim, Tovim, Shalom, que Bezrat Hashem, qu'on continue à avancer encore beaucoup, à finir le chasse, et après on verra qu'est-ce qu'on va ensuite. Et voilà, Kol Tov, c'est là.